Bonjour général, comment Oui, vous allez? je vais très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui toutes ces nombreuses bavures policières au Bénin? Oui, quand il arrive des périodes où une police commence par commettre beaucoup de bavures, Oui. il faut savoir qu'il se pose à une question de formation. Quand les gens sont bien formés, les bavures deviennent rares. En dehors de ça, il faut savoir qu'il y a un problème d'encadrement moral. Quel est le discours que les chefs tiennent en direction des jeunes? Je pense qu'aujourd'hui, les gens parlent de maintien de l'ordre avec des armes. Nous, en notre temps, même les officiers, tous les officiers n'étaient pas autorisés à porter les armes sur les lieux de manifestation. Donc, il faut prévenir ces bavures-là en tenant un discours de paix. Les policiers sont une émanation de la population et de la communauté. De peur ou leur interdire carrément d'utiliser les armes contre les Non, populations? les armes ne sont pas achetées pour être utilisées contre les populations. Lorsqu'un policier utilise son arme, il n'est pas en conflit avec la population. Il est en conflit avec un délinquant. Et c'est l'extrême, dans l'extrême des cas, qu'on utilise les armes pour régler les problèmes. Parce que pour aller faire de telles interpellations, on n'a pas besoin d'utiliser son arme. Pour des opérations de contrôle de casque. On n'a pas besoin de, on a besoin de rien de tout ça. Les armes s'utilisent contre les terroristes et les braqueurs. C'est parce que nos policiers sont de moins en moins bien formés. Oui, c'est une question de formation, ça je le dis. C'est pas, vous savez que je ne peux pas brocader une institution à laquelle j'ai appartenu pendant 29 ans et quelques mois. Donc, je vous parle en tant qu'expert. Quand les gens sont bien formés, vous avez moins de bavures. Quand ils sont bien encadrés, vous avez moins de bavures. Émission à retrouver très prochainement sur Reporters Média Monde. Merci.